C'est une collection d'art royal que d'ordinaire, seule une poignée de chanceux peuvent contempler. En raison des rénovations en cours à Buckingham Palace, les tableaux du palais vont s'exposer à l'extérieur, dans la Queen's Gallery de Londres. Une première historique. Le chantier a commencé à Buckingham Palace, ce qui veut dire que ces tableaux devaient être soit stockés, soit exposés. C'était l'occasion parfaite. Nous venons de les déplacer et de les amener ici à la Queen's Gallery, où les conditions d'éclairage sont idéales. C'est vraiment une exposition de chefs-d'œuvre qui n'arrive qu'une fois par génération. C'est la première fois qu'ils seront accrochés ensemble dans une galerie moderne comme celle de la Queen's Gallery. De Rembrandt à Rubens, en passant par Van Dyck et Canaletto, les 65 œuvres exposées sont issues de la plus grande collection d'art au monde acquise au fil des siècles par les souverains britanniques. Et si leur sortie de Buckingham est rare, elle ne sera pour autant pas furtive. L'exposition est prévue pour durer jusqu'à la fin de l'année 2022.